Bonjour, c'est Gryfox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Kolizeum en Eni et Capflip Pandawa. Et on joue contre Yop, Feca, Eni, donc il va potentiellement y avoir du retrait PA en face, j'ai mis mes esquives PA. Compo que je jouais à la base en colis, quand j'ai commencé le colis vraiment, c'était avec cette compo, c'était en Eni, Feca, Yop, quand j'ai commencé à vraiment avoir des bonnes perfs en colis. J'avais délaissé le Feca parce que je trouvais qu'il y avait tellement d'érosion dans le jeu que le Feca finalement ne servait plus à grand chose, mais je pense que dans la méta actuelle où maintenant il y a beaucoup plus de dégâts et les combats se jouent moins à l'érosion, ça peut être une classe qui va redevenir très sympa. Je pense en faire un bientôt d'ailleurs. Bon, alors on a le son du jeu qui s'est coupé, ça c'est les petits bugs de Dofus, on connaît, tant pis, on fera sans. Le Feca qui joue avec un abyssal, on a un nébuleux sur le Yop apparemment, ouais, donc il va falloir faire gaffe au Yop. Un ivoire sur l'Eni, il n'y a pas d'ivoire, si, il y a triple ivoire en face. J'ai pas de retrait PA, je vais peut-être être un petit peu embêté pour encaisser le Rox du Yop qui va pouvoir être boosté en PA par l'Eni, en puissance aussi peut-être. On va voir comment je casse le truc, je vais essayer... Ouais, il faudra que ça va jouer sur le placement en grande partie. Hop, je vais peut-être faire un début très soft avec le panda, juste aller caler des petites vagues à l'âme. Ça peut être un plan. On va faire ça, ouais. Ou alors une flasque. Faire sa flasque, vague à l'âme, et je vais caler un Wasta ici. Alors pourquoi je le fous là? C'est volontairement pour qu'il ait le temps de s'approcher sans se faire one shot dès le début et que quand il arrive dans le combat, l'adversaire soit occupé à me taper moi plutôt que de dégommer le Wasta. Alors il se fout de ma gueule en face, je ne sais pas pourquoi. Il va falloir que je place l'érosion hein, sur le Yop très vite bien sûr. Alors voilà, là il va chercher le Wasta typiquement, c'était un peu un bait, hein, ça veut dire que là il s'isole, et là au tour prochain avec le panda je vais pouvoir le ramener, donc le piège a marché, il vient chercher le Wasta parce que c'est toujours intéressant pour un Yop de booster sa fureur dessus, voilà il y va à concentration fureur, il le pète, mais regardez le placement maintenant. Regardez le placement, je vais pouvoir aller le choper. Si je vais là 3, ah il manque un tout petit peu de... Ah je peux faire ça tiens. Hop, alors on va commencer par... Bref, là, je vais faire tout de suite un odorat, je vais prendre juste les nids dedans aussi, hop, je peux faire un esprit félin ici, hop, et de cette manière, je place l'érosion directement dès le tour 1 sur le Yop, et ça c'est vraiment nickel. Ça c'est vraiment nickel, ça veut dire que je vais pouvoir enchaîner tout de suite, et après si le panda fait un travail de placement, ça peut bien se passer pour moi. Bonne chance et merci pour tes vidéos YouTube, merci. Merci, merci. D'ailleurs, j'ai fait mon premier live hier soir, je vais essayer de vous en faire pas mal sur la chaîne, là j'ai quelques petits soucis techniques, mais je vais me mettre à faire du live de plus en plus, et je pense que mes colis, de manière générale, ce sera du live, et puis je ferai en vidéo les meilleurs moments que je compilerai, ou ce genre de choses, ou alors je mettrai juste les colis intéressants, mais qui seront des captures des lives. Voilà, donc ça c'est les projets qui vont arriver sur la chaîne assez vite. Avec l'Eni, qu'est-ce que je vais faire? Je peux, par exemple... Je vais essayer de pas trop m'isoler, je vais caler le lapin un peu en plein milieu, on va lâcher le galvanisant tout de suite. Peut-être mettre un boost PM sur le panda, ça peut être intéressant, ou alors non, plutôt une flamiche sur le Yop, histoire de délock son ivoire. Ok. Alors pour l'instant, oh le lapin qui vient me faire chier, c'était pile là où je voulais passer avec le panda quoi, c'est incroyable ça. Bon, bah on va faire sans, bouclier Feca sur le panda, sur le Yop, pardon, encore une fois, ça je m'en fous, hein, parce que j'y vais à l'érosion, donc le bouclier Feca, le rempart, tout ça, ça ne change pas l'érosion. Je me suis mis en zone retrait avec Eni et Capflip, c'était pas parfait, mais bon, comme j'ai mis des esquives, je m'en sors. Hop, bah alors là, ça va être du placement, hein, tout simplement. Hop, on va venir repousser tout ce petit monde, lui il va là-bas. Les nids, on leur pousse aussi, hop. Ouais. J'ai pas spécialement besoin de débuff le Yop pour l'instant, donc on va simplement y aller sur Etilo, vague à l'âme. Je tape sur l'érosion, je suis nickel pour l'instant. Voilà, l'érosion commence à passer. J'imagine qu'il va y aller sur mon Ecaflip. Peut-être double pression fureur avec une inti et se barrer. Ce serait peut-être ce que je ferais à sa place. Ou non, il va plutôt sur le panda, d'accord. Pour l'instant, je suis un petit peu dans l'expectative. On va voir ce qu'il nous fait. Là, mon Ecaflip va être en retour d'odorat, il va pouvoir lâcher du gros Rox. Ah, j'aurais pu peut-être lui mettre un boost PM à l'Ecaflip pour anticiper le retour d'odorat. Il tape le panda, il érode pas, ça c'est une erreur. Hein. C'est une erreur. L'érosion, elle a été débuff sur le Yop. Ça veut dire que je fonce dans le tas. Hop, moi j'ai toujours mon trèfle, donc roue de la fortune. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire un entrechat. 12 PA, je peux faire un rugissement, Ou non, même pas de rugissement, je vais plutôt y aller sur Audace. Audace, Esprit, voilà, là je tape sur l'héros et je place le chaton, hop, pour que je me prenne 300 de puissance pour la suite. Là, regardez le Yops qu'il a pris, hein, il se retrouve vraiment déjà bien en galère. Merci, me dit-il. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'il va chercher du soin dessus ou je ne sais quoi. Pourquoi il me dit merci? Parce que je me suis approché, je ne sais pas. Alors là, peut-être que j'ai fait quelque chose qu'il attendait de ma part. Il n'y a toujours pas de Vita sur le Yop pour l'instant. Bon, de toute façon, voilà, il soigne, il met des protections, mais c'est vraiment à l'érosion que je joue. Ah, me dites pas que j'ai oublié de remettre l'héros. Ah, j'ai oublié d'éroder avec les cas. Putain, je suis vraiment un guignol. Bon, bah, GG Gryfox, autiste. Bon, bah, nickel. Du coup, bah, c'était un tour dans le vide. Comment je peux oublier d'héros, quoi? J'avais des buffs, l'héros. J'ai oublié de la remettre. Oh là 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 là, je me saoule des fois. Bon, bah, tant pis, on fera 100. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je soigne le panda. Oh, ça me dose. Ça me dose. Bah, du coup, je vais taper l'Yop. Je vais. Ouais, j'ai pas grand-chose de plus à faire que de taper l'Yop. Hein. Soigner mon panda aussi un petit peu. Oh là 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 là, c'est ridicule. Ridicule. Bon, cela dit, il m'a pas érodé non plus. Hein. Pour l'instant, là, j'ai pas d'héros sur aucun de mes persos. Mais le petit tour dans le vide, là, c'était complètement con. Hein. Vraiment, j'ai failli mon truc. Bon, cela dit, là, j'ai le chaton. Je vais commencer à pouvoir taper de manière sympathique, mais bon. Le Feca qui va au glyphe fulminant, donc sur mon écaflip, il va falloir que je fasse attention à ça. Il met le retrait PA sur... Ah, j'ai cru sur son Yop, mais non, c'était sur le chaton. Hein. C'est l'affichage qui était un petit peu bizarre. Retrait sur mon écaflip à nouveau. Bon, j'ai 89 d'esquive, il a pas l'air d'avoir un retrait trop violent. Est-ce qu'il y a une puissance ou un truc comme ça à débuff en face? Je peux lui débuff un mot d'abnégation, ouais. Et comme il a pas d'héros, ça peut être intéressant que je le fasse. Donc je vais pas me priver, hop. Je vais essayer d'aller l'isoler au maximum. Je pense que ici ce sera bien, même encore 2 cases. Non, hop, comme ça. Ouais, en fait, je veux pouvoir aller porter mon Eka après. Ah, j'aurais pu avancer encore un poil. Hop. Ouais, j'ai un peu bafouillé sur le comptage des PM. J'aurais pu avancer une case de plus avant de le jeter et le foutre là-bas. Ce qui l'aurait un petit peu embêté probablement. Alors là, je pense qu'il va y aller sur mon... Ah, j'aurais dit... D'accord, il va sur le panda, sur les cases. Je sais pas trop ce qu'il fait. On va voir ce qu'il choisit d'éroder. Mais là, pour le coup, ok, je l'ai pas érodé, mais il a plus de protection, là. Il est à 2000 points de vie. Bon, mon écaille, il a 11 PA ici. Il balance une précie, d'accord. Pression, concentration, fureur, j'imagine. Sur le panda, les dégâts passent bien, mais il n'y a que 10% d'héros. J'ai un Eni qui va jouer derrière, donc ça ira, je pense. Avec mon Eka flip, il faut à tout prix que je me refasse, là, le trèfle. Cette fois-ci, j'érode, hein, clairement, là, sans hésiter. Hop, est-ce que le glyphe fulminant marche aussi pour moi? Non, ça marche pas pour les alliés, manifestement. Donc je vais y aller simplement sur une audace. Et peut-être un esprit. Ouais, ça me paraît correct comme ça. Hop. Et je vais venir ici pour que l'Eni ne puisse pas débuff l'érosion. Voilà. Donc là, cette fois-ci, c'était déjà un petit peu mieux comme tour. C'était déjà un petit peu mieux. Le Yop se retrouve à 943 points de vie. Il est pas mal amoché. Pour mon panda, je me sens pas trop en danger pour l'instant. Je vais aller mettre du soin avec l'Eni. Là, je vais m'occuper de ça. Je vais refaire une petite santé à mes persos. Effectivement, le tour de Rox sans zéro, c'était un peu minable, hein, clairement. Alors là, il y va abnégation, solidarité. Ok. Alors l'abnégation, normalement, ça, ouais, il aurait dû mettre à la fin l'abnégation. Hein. Abnégation, ça fait un malus de soin, hein. Vous voyez sur le sort ici, soin reçu x 75%, donc il aurait fallu qu'il le mette à la fin du tour, hein, pour optimiser le soin qu'il mettait dessus. Moi j'ai un tout petit peu d'héros qui est passé sur le panda, donc je néglige pas, je la débuffe, du coup je restimule. Je vais le repousser mon petit panda, je vais le mettre là pour aller chercher une belle zone sélective, et éventuellement, moi, je vais peut-être mettre juste un mot de régène, ça devrait suffire. Je vais pas lâcher la preuve pour l'instant, je pense que régène ça ira. Et le double sélectif qui est vraiment sympa. Je me mets en fin zone avec l'Eni, ça me suffira pour repasser full vita. Hop. Je vais rester un tout petit peu en retrait comme ça. Voilà, donc là le Yop il a quand même bien mangé en héros. Moi pour l'instant ça va, je suis pas trop dans la merde. Le panda il a pris un petit coup mais c'est correct, le Yop il est quand même bien plus en danger là. Il est en nébuleux négatif. Alors un rempart qui tombe, il y a toujours l'héros. Il y aura plus l'héros autour de l'Eka. Ok, donc ça il faut le prendre en compte. Je vais essayer à nouveau de rétablir un peu un placement comme ça m'arrange. On va voir ce qu'il nous fait en face. Téléglyphe, Libé, d'accord. Ça fait beaucoup de PA utilisés pour pas grand chose. Hein. Je garde une même mobilité avec mon panda pour l'instant. C'était pour aller chercher un aveuglement en zone peut-être, ça c'était plutôt bien joué. Un bastion, invulnérabilité à distance sur le panda. Bon bah alors là clairement... je peux y aller, lui je le remets à distance comme ça. Lui je vais simplement lui débuff l'invulnérabilité à distance, ce qui m'embête un petit peu, mais ouais si c'est correct. Si je fais ça, après double vulné, ouais je pense que comme ça c'est bien, parce que là du coup il n'y a plus d'héros, hein. Il n'y a plus d'héros qui est placé. Hop, et le jeune Eni, on va le virer. Donc là vraiment le panda, hein, de toute façon c'est vraiment ce qui est génial sur un panda, c'est la capacité de placement qui est monstrueuse. Il empêche mon écaflip d'aller le chercher, c'est bien joué. Il reste où? Il reste ici? Non. Oui, il reste là. D'accord, alors avec mon éca normalement... Ah, je crois que j'ai plus d'invoque. Ah là là, quel dommage. J'ai pas les invoques qui m'auraient permis d'aller... Si je fais une cavotte, le single, je peux la faire à 3 PO. Est-ce que l'entrechat, ça marche? Yes. Normalement, je peux faire cavotte ici. Est-ce que j'ai encore mon trèfle? Oui, je peux faire single. Et là, aller chercher des dégâts. Hop, et là, voilà, vous voyez, ça passe vraiment bien. Il était plus, je ne l'ai pas tapé sous 0, donc bon, j'aurais peut-être pu lui remettre l'héros, mais là je vais être dans l'optique plutôt de passer un kill assez vite. On verra si c'était stupide ou pas. Il le débuffe, mais du coup il lui débuffe aussi toutes les protections qu'il avait. Il lui remet le boost en puissance, il remet du soin en mode solidarité qu'il a l'air de beaucoup utiliser. Peut-être qu'à l'écaflip j'ai un peu trop gridé sur les dégâts et que j'aurais mieux fait de remettre l'héros à tout prix. C'est possible. C'est possible, bon cela dit là il a toujours les vulnés, le yop. Toujours les vulnés, et j'ai encore Eni Panda qui peuvent jouer et peut-être essayer de passer quelque chose. Donc on va voir ça tout de suite. Moi j'ai pas d'héros qui est placé sur mes persos, hein. Pour l'instant je m'en sors à peu près à ce niveau-là. Bah, je peux y aller là, hein. Corrompu. J'ai pas de prévisu, d'accord, bon ça doit être bugué. Normalement les dégâts peuvent passer, voilà. Je vais également restimuler les caflips, ça me paraît plus intéressant que de mettre des dégâts à tout prix sur le yop. Le mot sélectif et peut-être un DPM sur le panda. Ouais, ça c'est pas trop mal. Je vais me mettre avec l'Eni ici pour ne pas donner de zone aveuglement. Feca qui va être un poil embêté au niveau des déplacements ici, ça devrait aller. Bon, c'est mon panda pour l'instant qui a l'air d'avoir pris le plus de dégâts. Là, le yop, il est toujours sous double vulné. Est-ce que je peux passer le kill avec mon panda? C'est un peu la question que je me pose. Je sais pas si je peux passer le kill. Il a 10 PA le yop. Bon, dans tous les cas, je pense que moi, il me tuera aucun de mes persos. La miche sur mon panda qui me déloque juste l'ivoire. Ah, mais non, il a plus les vulnés autour de mon panda. Ah, bah c'est gentil ça, ça va me permettre d'être en dégâts à distance directement avec le panda. On va faire une bombance. Je peux lui caler 2 éthylos, une vague à lame, mais ça ne suffira pas pour passer un kill. Je pourrais lui débuff de 3 trucs ici, mais ce serait pas spécialement utile. Ouais, je vais quand même y aller tranquille, on va lui mettre un petit malus de puissance et un débuff. Il y avait rien à débuff, mais le malus de puissance est quand même sympa. Et des petits dégâts. Hop, je vais venir caler le panda ici. Surtout ne pas rester dans le glyphe, là. Du coup, le yop, il se retrouve avec 10 PA, là, il a plus aucun boost. Mais il est en ébule positif, mais bon, voilà, clairement, il me fera rien, et je le termine derrière avec les K-flip normalement. Il pourrait faire 8 abons, hein, ce qui lui permettrait de survivre. Mais s'il fait ça, je vais le chercher, moi je suis pas en danger pour l'instant. On a beau avoir un truc très défensif en face avec Eni Feca, en jouant tellement agressif, en fait, je suis plus safe qu'eux. Donc bon, après c'est aussi parce qu'il a pas beaucoup érodé. Ah ouais, on a quand même des dégâts sévères qui sortent, mais ça ne passera pas le kill. Hein. Ça ne passera pas le kill malheureusement. L'Eka ici peut se refaire son trèfle. Et peut-être même aller chercher une zone quelque part. Non, je vais pas pouvoir. On va simplement venir caler un entrechat ici. Hop. Est-ce qu'un tout ou rien c'est utile? Non, bon, on va simplement mettre ça comme ça et aller me barrer. Voilà, bon, du coup, j'utilise tous mes PA pour ça, mais je peux me protéger de l'Eni pour être sûr de ne pas me prendre des dégâts derrière. Je peux rien faire contre les pandas et les esquives PA que tu as mises. Ah oui, c'est ce que je disais, et c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer Eni Feca. Eni Feca, tu prends un peu d'esquive et surtout du placement. Et c'est fini quoi, voilà, il n'y a plus rien à faire. Vraiment, s'il y a du placement en face et une team qui a une bonne compréhension de la dangerosité de ce mode qui peut être très défensif et très agressif, ben en fait vous esquivez l'érosion, vous gérez le placement et en face ils sont dans la merde en général, hein, tout simplement. Moi je viens chercher le petit soin sur mon Ekaflip, je peux même y aller à la régène. Et on va venir délock l'ivoire là-haut. Hop, ouais, j'ai pas pu bouger, bon c'est pas grave, de toute façon, oui je sais, voilà, c'est vraiment le souci hein, de l'Eni Feca. Ça peut être très sympa en termes de solidité, avec un bon Rox en parallèle, du retrait, mais il n'y a pas de placement, et si en face il y a du placement, vous pouvez rien faire quoi. Le Feca et l'Eni, bon, ça va qu'il y a eu des variantes maintenant qui font qu'il y a un peu plus de mobilité quand même. Mais fut un temps, vous pouviez vraiment rien faire en face s'il y avait un panda qui vous mettait à distance, hein, ce que j'ai essayé de faire au maximum sur ce colis ici, bah c'est très très chaud à tenir. On va faire quoi? On va juste chercher peut-être les zones là, hop. J'ai l'impression qu'il fait pas durer, qu'est-ce qu'il me dit? En général, il y a toujours un mec sans esquive PA. Bah non, normalement si les gens jouent à peu près correctement et jouent en team, ils font gaffe, hop. Là encore mes esquives sont pas énormes, hein, sur l'Eni 68, bon j'ai 110 sur le panda, ok, mais ça aurait pu être pire que ça. On va faire quoi? On va faire un rugissement peut-être, ou non même pas, on va faire audace, voilà, on sort du Rox hein, quand même, c'est sympa. Un petit tout ou rien, un esprit, ah, les dégâts qui passent là, hein. Hop, qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai pas les cas pour mon petit familier sur mon serveur, les familiers montés coûtent 20 millions. Faut pas les acheter montés les familiers, faut les monter soi-même, hein, c'est... Là, je vois pas trop le rapport, c'est avec mes esquives à moi. Bon, en tout cas, voilà, c'est GGE, c'était quand même une belle team, il n'y a pas à dire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir chercher les dégâts sur le Feca ici, restimuler le panda, hop. Et du sélectif comme ça. Est-ce que je passe le kill? Oui, ça passe le kill. En tout cas, merci à toi pour ce combat. Bah, je vous en prie, vous retrouverez, je pense que vous verrez la vidéo, hein, donc avec plaisir, hein, hop. On va mettre les petites vulnées pour s'amuser, pour terminer. Mais vraiment, cette compo Eni Feca plus Eroder, je l'ai joué pendant un moment et j'en suis vraiment venu à la conclusion que c'était ultra fort contre dans certaines configurations, mais c'était facilement contrable en fait, c'est un peu le problème. On va faire un rugissement, on va faire... Ah bah tiens, j'ai plein de PM, ça c'est sympa. On va juste y aller sur du full dégâts, pas de boost ici, et on passe le kill de toute façon. Bonne continuation, bonne chance pour TFM, merci à vous, et puis bah, au plaisir de vous voir dans les commentaires si vous voulez venir faire un petit tour sur la vidéo. Hop, et on passe le kill. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le son sur ce combat, hein, le jeu qui bug comme d'hab. On a un petit level up ici, on s'en fout. Tiens, je suis au Sildark, hein, j'avais farmé un peu le Sildark, je voulais vous faire des vidéos de PVM, mais le jeu était trop buggé pour que je vous fasse un truc sympa, je perdais toujours mes sorts dans les raccourcis, ça me rendait fou. Est-ce que Panda et K sont classés? Toujours pas, bon l'Eni qui a 4500 et quelques de cotes. Voilà pour ce premier combat de la journée, je vous laisse ici et je vais enchaîner avec un Eni Xel Ujinac, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, à bientôt.